précédemment dans Assassin's Creed Rogue. Perhaps I have. Achilles and Liam have already headed north. Hope was right. I do make a good distraction. Bon, alors il y a un narval qui était sur mon chemin, là, le deuxième narval qu'on va chasser dans ce walkthrough, voilà, qui est sur le chemin entre moi et la prochaine mission. Du coup, ah merde, la glace. Effectivement, il fallait s'y attendre. Alors, les narvals, c'est assez. Mais, je sais pas comment on dit au pluriel, un narval des narvaux. On va dire ça. Oh putain, je vais pas. Voilà, c'est bon, on lui a collé le harpon sur la tronche et on est reparti. Donc on le voit pas du tout là, c'est assez énervant. Voilà. Voilà, ça marche plutôt bien ça. Ce qui est pas logique parce que même si on s'accroche, ça va pas changer au fait qu'il va détacher le harpon ou pas, mais bon. Ouais. Cette musique là pendant l'harponnage, d'accord. J'aime beaucoup celle-ci. Bon, c'est ce que j'avais mis comme résumé pour l'épisode. Bon allez, il est bientôt. Il est blessé là. On va bientôt l'avoir. Alors voilà, regardez là, il arrive là. Voilà, c'est bientôt fini. Je vais t'achever mon coco, j'ai besoin de ta peau. Il fait des vagues en plus, hein. Des vagues bizarrement animées d'ailleurs. On va pouvoir y aller, vous m'excuserez parfois s'il y a des petits trucs que je fais en off là juste avant. Par exemple, je me suis battu contre un bateau parce qu'il était devant le narval. Je voulais le narval. Voilà, c'était une zone non autorisée, on va aller savoir pourquoi. Du coup, bon, on va se rendre à la mission qui est juste là et pour ça. On va traverser la glace ici avec notre superbe éperon. Mais il chante plus ? Oui, il chante plus. Pour une fois, je leur demande de chanter. Hein. Voilà, bon. Oui, qu'en plus, il y a un Manowar qui rôde ici, là. Non nobis domine. Non nobis. We are the Templars. Master Kenway! De La Vérendrye's dead. I have the coordinates. I know where the assassins are going. Then, let us make haste. Do you think Achilles and Liam have found the precursor site? The world is still standing. If they uncovered it, they have not yet set the earth in motion. How gentlemanly of them. There should still be time. Master Gist, stay here. I shall accompany Shay. Sir, with respect, are you sure that's wise? As Grand Master, I must investigate this precursor matter to the end, and witness the death of Achilles' brotherhood. If the assassins do trigger an earthquake, at least there's few around to suffer. I have no intention of letting your former colleagues destroy a precursor site, regardless. Je sais pas où on est, mais en tout cas, c'est pas une ville, donc si un tremblement de terre, au pire. It would be beautiful if it wasn't so damn cold. Tread carefully.
Some of this ice is rather thin. Ce serait pas trop grave. Bon, on apprécie le décor. On va grimper soigneusement avec Haytham. Bah allez, grimpe, voilà. En théorie, c'est impossible ce qu'il fait, mais bon. La théorie et Assassin's Creed, hein, ce sont deux choses qui n'ont pas de rapport entre elles. Direct en tout cas, si, on peut dire. Ah, voilà un bateau. That's a hefty crew Achilles brought. I doubt he expects all of them to survive these conditions. That's bleak. But we're still outnumbered. Let's keep a low profile, avoid unnecessary fights. Your assassins would scarce recognize you. Come, let us enter their parlor. Il y a moyen d'accéder au bateau là, mais bon. J'ai pas vu de synchro total, donc pour l'instant on va essayer de faire en sorte de rester non repéré. Qu'est-ce qu'il fait, Ethan, là? Il a tué quelqu'un? Bon, on va descendre de toute façon. Attends, bah du coup, je peux grimper là? Ouais. Ah, un petit assassinat facile là. Voilà. Voilà, vous voyez que j'ai vu que je suis dans une zone. On voyait le petit logo comme quoi j'ai le masque ici avec cette tenue. On a le masque de base. Bon, nous on va venir le tuer. Tranquillement, il va repartir en arrière. On va t'appeler si tu repars en arrière, t'inquiète pas. Voilà. Donc là, on se la joue assassin, mais même dans le sens où dans ce jeu, quand on joue assassin, on joue pas comme ça. Du coup, c'est vrai que ça... quand chez Ava m'a dit tes confrères ne te reconnaîtraient plus, bah. On va tous se les faire. Voilà. Alors est-ce que il y a moyen de dormir tout ce beau monde directement? Voilà, ça en fait deux. Il faut qu'ils viennent. Ils vont se réveiller bientôt là. Waouh! Ah, direct, il m'a détecté vraiment comme ça directement. Je vais pas détecter, c'est pas drôle. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a l'échelle là-haut. Bon. Haha! Voilà, eux ils se réveillent. Il est tombé, j'ai pas compris, il est mort en tombant parce qu'il s'est endormi, tu sais. Oh, ça c'était un superbe assassinat à travers la toile, sympa. Ah, dommage. Je sais que ça a peut-être marché. D'ailleurs, je vois un truc, logiquement, tu sais, quand t'es dans un jeu avec des armes, on utilise des silencieux, mais là, logiquement, les points font moins de bruit que les lames, donc ça fait intelligent de se servir des points. Et de désarmer ses ennemis pour pas que ça fasse cling. Bon. Je vais voir si on pouvait monter ici. On va utiliser l'échelle. Hein. En tout cas, on est dans une zone qui est en dehors de la map principale, vous voyez qu'il n'y a aucun trésor, il n'y a rien. C'est vraiment un nouveau lieu grâce aux cartes qu'ils ont décodées. Ah mais en fait ça sert à rien ce que j'ai fait. Que j'ai pas accès au truc là-bas. Donc nouvelle échelle. Avec ce truc qui la glace, tu sais qu'elle va céder là. Go on, Shen. I will find another way. Et désormais, on a chacun notre chemin. C'est un truc assez classique dans des jeux avec escorte, hein, normalement. Bon, donc là on évite bien sûr les gens, hein. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Ça fait un peu Uncharted là comme ambiance, un peu plus fluide quand même, un peu plus guidé aussi, bien sûr. Ce qui pour moi, c'est une des choses que j'ai pas mal apprécié dans le jeu, hein. ces décors là. Voilà, je me suis pu le tuer ici, ça aurait été... Ça m'aurait paru étonnant, par contre, ouais. Voilà, ici c'est bon. Ah,
Vas-y. J'ai pris les épées, c'est vrai que j'aurais pu reprendre les points. De toute façon, j'ai pas amélioré mon personnage ni le bateau récemment. Bon. J'ai la capacité, mais on va s'amuser plus tard sur les épisodes annexes. Là, on poursuit dans cette jolie caverne. Voilà, et là, on arrive à un endroit vraiment sympa, c'est qu'on cumule à la fois une mission d'infiltration, une mission un peu lieu secret, vu qu'il y a des acrobaties pour progresser dans le niveau, et en même temps, bah oui, ce côté architecture d'ancienne civilisation avec... Enfin, là, pour l'instant, c'est essentiellement ouais, des acrobaties et... Avec vraiment des gardes à éviter, bon, là, c'est pas très dur, mais bon, quand même, si on le fait... J'aimerais bien vraiment essayer de le faire sans me battre, ce truc, parce que si on se bat, c'est vraiment pas drôle. Vraiment que j'essaye de... j'ai tiré dans l'épaule, mais on va dire que c'est bon. Ouais, je vais vraiment essayer de le faire sans me faire repérer. Ça va être le défi, là. Pourquoi est-ce que tu sors tes armes? Reste tranquille. Bah, tant qu'il reste là-haut, moi, ça me va. Et en fait, ça ne sert à rien parce que j'ai pas accès. Il faut descendre à un moment donné, je crois. Mais j'ai des grenades, du coup, je vais m'en servir. Hein. On va en profiter. Voilà, parce que ici, vous voyez que je peux monter en fait. Hein. Ils m'ont repéré quand même. D'autres mecs m'ont repéré. Allez, 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 allez. Allez, Shay. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Enfin, en théorie, ils m'ont cramé, mais bon. J'ai évité l'affrontement. Voilà, bon, ici, il n'y a personne. On reconnaît bien les structures de l'ancienne civilisation, là. Et là, on en arrive à... À chaque fois, ça joue juste un élément. Cette fois-ci, il y a les pièges. Là, on voit Etham qui va... pousser un garde dans un piège pour montrer que comment ça fonctionne, quoi. Et donc là, on a intérêt à passer avant que les pièges s'activent. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'on cumule 3 éléments. Alors, en fait, non. Il n'y en a plus que 2 éléments de gameplay parce que maintenant, il n'y a plus les gardes. Ils ont été retirés. Bon. Un peu dommage. Encore le level design qui a été foutu en l'air. Alors, c'est facile à faire passer par là. Oh non, 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 bah non. Ah, en plus, si on tombe dans le vide, c'est un gouffre, quoi. Bon, bah j'ai été... On peut grimper par là ou pas? Ouais. Alors attends, on va attendre que ce sera actif. Ouais. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, il va falloir aller là-bas. Voilà. Ok. Allez. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, ne pas foutre la merde. Attends. Ah oui, alors attends, parce que là, j'ai pas envie de faire de conneries. Là. Super. Ouais, d'accord. Celui-là va s'activer, non? Il y a des pièges? J'ai pas vu s'il y avait un piège, là. Non, non, il n'y en a pas. Ok, c'est bon. Et là, c'est vraiment tout ce que je demande pour un jeu Assassin's Creed, enfin pour... ouais, en tout cas, je suis content qu'il est intégré là. Ah, vous voyez qu'en plus, ici, il y a des... les symboles, les mêmes qu'il y avait dans... Il n'y a pas d'interaction avec. Bah du coup, ça m'a fait tomber. Ah merde, je dois m'agripper là. Je vais faire un Soria directement, mais t'as tout le flika. Oula. Il faut passer par là. Mais du coup là on cumule vraiment ce qu'on avait dans les tombeaux d'assassins et avec les pièges qu'on avait eu dans la première fois dans un C4. Voilà, on a rejoint Haytham. Avec toujours cette structure pyramidale qui fait arbre, qui fait racine. Voilà, exactement comme ce qu'il y avait sous l'église. Et qui y a au bout là? Is this the apple? No, don't touch anything. Shay was right. What would he know?
More than me, apparently. Finally, you understand. Achilles. This is a structure to hold the world together, not a weapon to control it. This whole calamity could have been avoided if you'd only listened to me. Disrespectful to the end. Yes, we've been working on that. Right or wrong, Shay. You betrayed the Brotherhood, Achilles, and me. Says the man who shot me in the back. At the homestead. That was Chevalier. I don't miss! Liam Gott! Voilà Achille qui est devenu tolérant. En revanche, Liam qui se sent trahi par Shay et qui donc a quand même voulu se venger. Donc Achille en a empêché et ça a foutu la merde. Comme quoi Achille, vous voyez, qui a enfin compris à quoi servait cette structure, qui donc va devenir l'assassin qu'on connaît plus tard, quelqu'un de beaucoup plus sage, de beaucoup plus calme. Et voilà, pour expliquer un petit peu son retournement. Mais bon, pour maintenir quand même ce côté antagoniste, il y a Liam qui devient du coup l'ennemi là de Shay, ça va se détruire. Et voilà, et nous on passe par en bas. Donc la poursuite maintenant. Vous voyez, ceci du level design, c'est que tout le jeu est comme ça, mais faut reconnaître que c'est vraiment bien foutu. Donc ça se tient, ça fait deux moments dans le jeu comme ça. Le feu la première fois, et la glace la deuxième fois. Évidemment, cette fois-ci, trop en terre, comme j'avais dit, ne dérange personne. Hein. Alors, maintenant, on a pris trop de retard sur Liam. On est du coup vulnérable à ces tirs d'experts. Tiens, je sais pas du coup du retard. Oulala, oulala, oulala. I'm sorry. Was it you? Tell me. I had to. C'est plutôt pas mal, il y a quand même une bonne ambiance là, et puis bon, c'est dynamique quoi. On avait déjà eu dans Black Flag là, éviter les tirs, et là je trouve que ça rend mieux parce que ça bouge plus et ça s'arrête pas quoi, il n'y a pas de temps mort, et la musique et la discussion en même temps, du coup c'est vraiment sympa. C'est pour ça que je parle pas trop d'ailleurs. I was lucky. How many times do I have to tell you, Liam? I make my own luck. How'd you do that? You bastard. You broke the assassins. Betrayed everyone you knew. You sided with our worst enemies. And for what? To save the world. I hope that world is a good one.
tout cas, là, c'est là qu'on s'aperçoit que vraiment ce jeu est vraiment le moins manichéen de tous, parce que les intentions de Shay sont vraiment louables, mais d'un autre côté, il a réellement trahi la confrérie. Et là, sa finalité, c'était sauver le monde. Voilà, les assassins sont toujours battus pour la liberté, mais là, c'était vraiment sauver le monde. Et c'était le cas, hein, en voulant conserver ses temples. Je suis dans la neige. Et il y a Achille qui se bat contre Aitham. Oh, tu t'es fait désarmer. Non ! Why not? Achilles is harmless now. A mentor with no followers. What kind of world are we making if we cannot show mercy? Besides, he understands what these precursor sites are now. Without him, the assassins may continue their search. Valid points. Never forget what has happened here. I won't. But the world will. So what happens now? Master Gist will be in charge of eradicating any remaining traces of the assassins. Master Weeks and the others will assist him, of course. Achilles has lost everything. He won't dare leave his homestead. He won't. Shay, although our search for precursor sites is at an end, I want that box. You will find it for the Templar Order, and for me. It could be anywhere in the world by now. It may take years to find it. It may take your lifetime. Are you up for the challenge? Good. Incredible. Who knew that Shay had that kind of potential? I have everything I need to complete our assignment here. One last job, Numskull. We need you to upload Shay's story. But not to Helix. I want some very specific people to see what we have found here. Bon, voilà, cette fois-ci, on va donc compléter les mémoires, débloquer, les uploader dans les serveurs d'Abstergo, mais dans les serveurs du sous-sol, parce qu'on veut pas que tout le monde le voit. To reward you for your services to me, I am granting you level 3 security access. From this point on, no doors will be closed to you. In the distant past, the assassins had a noble goal. That of peace. But over the centuries, that goal eroded into a far more dangerous one. Freedom. Shit! There! Just follow those lights and you'll be set. I promise, you won't die if you follow the bright lights. I haven't steered you wrong yet, have I? Follow the lights. Please hurry, Numskull. It all comes down to this. Your communicator should work now. The Assassin Brotherhood still exists today, and they remain dedicated to their foolish cause. I am a Templar Knight. I protect the world from the Assassins. Today, you have helped me to fulfill this role. Please, restore the servers. Mais c'est toujours pour faire un climax dans le présent également, là. Avec, là, du coup, le discours d'Otzeberg qui fait vraiment sens sur le danger de la liberté et les assassins. Alors, dernière petite énigme, enfin, dernière pour les trucs principaux. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, en fait, le bleu, ça fait passer à travers, d'accord. Alors non. Voilà, ça va être mieux. Ah non, toujours pas bon. Voilà.
Otso Berg, the big star of the Animi training program. Show me what you've got, you arrogant prick. If you insist, Master Cross. I believe that my training will soon be complete. Wouldn't you agree? What's so funny? I was wrong about you. You're not arrogant. You're just deeply fucking stupid. Oh. Your body, your mind, they're not yours anymore. You understand? All you have left are the voices. I don't suffer from your condition. My animus sessions were carefully... No, no, no! My voices are ghosts! Dead! So they can only ever say the same things over and over and over and over! But the ones in your head will never die. And they own you now. I am the Order's humble servant. You're not even a person anymore! You're a tool, a weapon, a plaything! We're done here. And in the glorious New World Order, there won't be any room for broken toys like us! You have exceeded my every expectation. Use that terminal to upload Shay's story to the Assassin Network. Le même terminal que Junon avait piraté, ce que je trouve flippant, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. The modern day assassins are weak. It is only a matter of time before I catch the last of them and kill them. But it is not enough for them to die. What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript! Get him out of here. I want them to know how weak they truly are. And I want everyone to see them suffer. So on the day they finally meet me, they will welcome the death I offer them. Shay was right. What would he know? More than me, apparently. My plan is in motion. I have no further demands to place upon you. However, Shay's story is not complete. I would ask that you see it through to the end.